Allez, maintenant on va attaquer un exercice où on va devenir des champions des intervalles et des intersections et des unions. Vous allez voir, on va se concentrer et puis on va y arriver. Regardez ici, on vous dit l'ensemble. Donc ici on vous donne des ensembles des réels vérifiant. Eh bien ici vous avez euh, vous avez ici des inégalités, d'accord Et puis ce note ici. Là vous avez des intervalles. Donc on vous dit première question complétez le tableau. Donc là par exemple il va falloir compléter cette case. Là il va falloir compléter ici. Là il faut compléter ici. Là il faut compléter ici. là. Il faut compléter là. C'est des choses que vous savez faire. Et ensuite on vous demande de déterminer I inter J, I union J, J inter K, K union L, I inter L. Et K union M. Donc là ce que je vous propose c'est de mettre pause à cette vidéo et d'essayer d'avoir tout juste 20 sur 20, d'accord. Je ne veux pas de 18, je veux un 20 sur 20 dans cet exercice. Faites pause, essayez de chercher avec la méthode que je vous ai expliquée. Restez concentrés et on se retrouve dans quelques minutes pour corriger en détail. Allez, j'espère que vous avez cherché, on attaque la correction. Et bien là, j'ai un intervalle i, c'est l'ensemble des nombres X qui se trouve entre moins 3 et 7. Donc là c'est très facile. Si je fais un axe rapidement, je suis ici, boum, entre moins 3 et 7, d'accord. Ce sont tous les X qui sont entre moins 3 et 7. Donc j'assure ici. Ah hop, papa, hop, hop, là je suis au brouillon. D'accord. Moins 3 et 7, est-ce que c'est compris ou pas Oui, puisque là c'est supérieur ou égal. Et là, c'est inférieur ou égal. Donc le moins 3 est avec ses copains. Et le 7 est avec ses copains, donc vous voyez ici je suis au brouillon rapidement. Donc je vois bien ici que c'est moins 3 fermé et 7 fermé. Très bien, voici le premier intervalle. Hop là, je suis au brouillon, j'efface. Allez, maintenant je regarde mon deuxième intervalle. J x est compris entre moins 5 et moins 2. Boum, je fais un petit schéma au brouillon. Je suis ici en moins 5, je suis ici en moins 2. x est compris entre moins 5 et moins 2, donc ça veut dire que je suis ici. Bam 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 bam. Est-ce que le moins 5 est avec ses copains? Oui, puisque x est super ou égal à moins 5 supérieur ou égal ça veut dire que moins 5 est avec ses copains donc là je vais avoir un crochet fermé, d'accord Alors qu'ici le moins 2, x est strictement inférieur à moins 2, donc ici je vais avoir un crochet ouvert, d'accord Donc là c'est facile, c'est moins 5, moins 5 fermé, d'accord, moins 2 ouvert, très bien, parfait. Allez, maintenant regardez ici, je suis entre 2 et 13. Là ici on vous donne l'intervalle et c'est à vous de donner euh, l'inégalité ou la double inégalité. Donc je suis entre 2 et 13, je suis entre 2 et 13, ici 13 est un crochet fermé. Hop, fermé. Donc ça veut dire que je suis avec les copains, puisque les copains sont entre 2 et 13. D'accord Et puis ici, 2 est un crochet ouvert. Donc ça veut dire que 2 n'est pas avec ses copains. Ça veut dire que là, je vais avoir un crochet ouvert. Ça, c'est des choses que je vous ai déjà expliquées. Donc voici euh, l'axe qui représente cet intervalle-là. Et maintenant, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 13, parce que x ici peut être égal à 13, d'accord Et ici x est strictement supérieur à 2, puisque le 2 n'est pas avec ses copains, x est strictement supérieur à 2. Donc ça cet intervalle là, si je dois le mettre sous forme d'inégalité, et eh bien ça donne ça ça donne x inférieur ou égal à 13 et strictement supérieur à 2 j'espère que ça c'est quelque chose de très simple pour vous, que vous commencez à bien maîtriser ça. Alors maintenant x est inférieur ou égal à 7 inférieur ou égal à 7, boum je fais un axe je me mets en 7, je suis inférieur à 7, inférieur ou égal à 7, donc ça veut dire que je suis ici hop, je suis inférieur à 7, et je peux être égal à 7, ça veut dire que 7 est avec ses copains, donc ça veut dire qu'il les embrasse, il est avec eux, donc ça veut dire que je suis de moins l'infini, je vais de moins l'infini jusqu'à 7, 7 fermé. Donc je vais de moins l'infini jusqu'à 7, attention, 7 fermé et moins l'infini, c'est toujours ouvert, c'est toujours ouvert. Allez, c'est parti pour le dernier exemple. Ici, on vous dit x strictement supérieur à 1. x est supérieur à 1, donc je mets mon 1. x est supérieur à 1, ça veut dire que je suis ici. Hop, et je me pose la question que, de savoir est-ce que 1 est avec ses copains ou pas, est-ce que x peut être égal à 1, et bien là vous voyez que x ne peut pas être égal à 1, d'accord, puisque x est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que 1 n'est pas avec ses copains, 1 tourne le dos à ses copains, donc du coup on va avoir un crochet qui est ouvert. Donc du coup ici, boum, 1 est ouvert, c'est ce qu'on appelle un crochet ouvert, donc ça veut dire que je suis entre 1 ouvert d'accord et je pars jusqu'à plus l'infini plus l'infini qui est un crochet toujours ouvert donc là boum regardez un ouvert plus l'infini et voilà la réponse à la première question j'ai complété ici tout le tableau et maintenant nous allons attaquer la deuxième question allez on attaque maintenant la question 2 je vais mettre volontairement du rythme dans cette correction puisque maintenant vous êtes des as de l'intersection et de l'union puisqu'on s'est bien entraîné donc ici on vous demande i intergit alors i c'est moins 3, 7, j c'est moins 5, moins 2, donc je me mets au brouillon rapidement, boum, je me mets au brouillon je vais avoir besoin d'un moins 3 un 7, un moins 5 et un moins 2 donc rapidement je mets ici un 0, hop moins 1, moins 2 euh, moins 3, je vais avoir moins, euh, besoin d'un moins 2, d'un moins 3, d'un moins 5 aussi donc moins 4, moins 5 et je vais aussi avoir besoin d'un 7, donc 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, d'accord ah, pourquoi je fais ça rapidement, parce que je vois que j'ai un i et un j, j'ai besoin d'un 3, d'un 7, d'un moins 5, d'un moins 2, donc là je les ai tous, pas de problème. Alors maintenant je commence par prendre l'intervalle i que je vais mettre en vert, d'accord C'est moins 3, 7. Vous savez faire, donc je suis entre moins 3 et et 7. Je suis entre moins 3 et 7, je le mets en vert. Hop, je le mets en vert, je me pose la question, est-ce que c'est fermé? Oui, moins 3, 7, fermé. Donc ici j'ai mis ici l'intervalle I. L'intervalle i ici je l'ai mis en vert. Et ensuite, je dois faire i inter J, donc je dois représenter j et puis je vais le représenter avec une autre couleur. Moins 5, moins 2. Moins 5, moins 2, je pars de moins 5, je vais jusqu'à moins 2, je vais jusqu'à moins 2, hop, moins 5 fermé, donc moins 5 est avec ses copains, moins 2 lui, il est ouvert, donc moins 2 n'est pas avec ses copains. Donc voilà, j'ai représenté en vert l'intervalle i, et puis en rouge ici l'intervalle j. Alors maintenant, on me demande de trouver i interj. I interj. Eh bien, i interj, je cherche les x qui sont à la fois dans i, et à la fois dans J, c'est un E, donc c'est là où il y a les deux couleurs. Donc ça, on s'est déjà entraîné pour ça. Euh, où est-ce qu'il y a les deux couleurs Eh bien, je vois qu'ici, il y a les deux couleurs. Eh D'accord Donc je vois déjà que c'est entre moins 3 et moins 2. Maintenant, je vais me poser la question pour moins 3 et pour moins 2. Est-ce que moins 3 appartient aux deux intervalles Eh bien, oui, moins 3, il est dans l'intervalle vert, puisqu'il est avec ses copains, mais il est aussi dans l'intervalle rouge. Donc du coup, moins 3, il va être dans l'intersection, donc je vais le garder dans l'intersection. En revanche, moins 2. Vous voyez ici, moins 2, il est dans l'intervalle vert, pas de problème, mais par contre, il n'est pas dans l'intervalle rouge, puisqu'ici, vous voyez, il n'est pas avec ses copains rouges. Donc ici, c'est un intervalle qui est ouvert. Donc du coup, bien, moins 2 n'appartient pas à l'intersection. Donc ici, voici l'intersection i inter j. Et dans la foulée, je vais attaquer maintenant i union j, puisque maintenant, j'ai déjà représenté euh, l'intervalle i et l'intervalle j. Donc maintenant, je vais pouvoir dire i union j rapidement. Alors, i union j, je vous rappelle que l'union, c'est l'un ou l'autre. Ou les deux, c'est là où il y a de la couleur. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc x, il est soit dans le premier, soit dans le deuxième, soit dans les deux. Donc finalement, c'est là où il y a de la couleur. Donc je regarde, et eh bien là où il y a de la couleur, eh bien, je démarre de moins 5, hop, et je vais jusqu'à 7. Donc je vais de moins 5, je vais de moins 5, je vais jusqu'à 7. Est-ce que moins 5, je le prends Eh bien oui, je le prends. Pourquoi Parce qu'il est dans l'intervalle rouge. Est-ce que le 7, je le prends Bien oui, je le prends parce qu'il est dans l'intervalle vert. Donc, je dois être soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. Donc, ici, moins 5, 7. Et voici euh, I union J. Allez, on attaque maintenant J inter K. J inter K. J, c'est moins 5, moins 2. Et K, c'est 2, 13. Donc là, rapidement, un petit schéma au brouillon. D'accord J, K, je vais avoir besoin de moins 5, moins 2. 2 et 13. Donc, rapidement, je me mets ici hop, en 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. J'ai besoin d'un moins 5 j'ai besoin d'un moins 2 d'accord et j'ai aussi besoin d'un 2 et d'un 13 donc ici 1 2 d'accord 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, allez, 13, je me mets juste au brouillon, là je suis au brouillon, hop, voilà, c'est pas grave. Allez, on va, on va faire ça rapidement au brouillon. Il faut être capable aussi de faire les choses vite et bien, ne pas confondre vitesse et précipitation, d'accord La vitesse, c'est quand on sait ce qu'on fait et qu'on va vite, la précipitation, c'est quand euh, on, on va vite, mais en fait on fait plein de, de bêtises, et donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, d'accord Donc là, hop, moi je fais de la vitesse ici et non pas de la précipitation. <laughs> Très bien, alors allons-y, j K, Hop, je suis ici, j alors j, j c'est quoi C'est moins 5 moins 2. Je vais le mettre en vert. J, je vais le mettre en vert. J, je vais le mettre en vert. Je suis entre moins 5 et moins 2. Donc je suis entre moins 5 et moins 2. Est-ce que le moins 5, il est dans l'intervalle Oui. Donc j'embrasse je, mes copains. Est-ce que moins 2 est dans l'intervalle Non. Je ne suis pas dans l'intervalle j. Donc je donne dos à mes copains. Je ne les embrasse pas. Donc voici l'intervalle j. Et puis maintenant, je vais attaquer l'intervalle k. L'intervalle K, c'est 2, 13. L'intervalle K, je vais le mettre en rouge. 2, 13. 2, ouvert. Donc, je suis entre 2 et 13. Je suis entre 2 et 13. D'accord 2, ouvert. 2 n'est pas avec ses copains. Par contre, le 13 est avec ses copains. Ici, c'est fermé. Allez, maintenant, je... on me demande ici quoi On me demande J inter K. <laughs> eh bien, là, c'est très, très simple. J inter K. Inter, ça veut dire quoi, inter Inter, ça veut dire et. « et ». D'accord Ça veut dire que je cherche des nombres qui sont à la fois dans J et À la fois dans K. D'accord Ici, à la fois dans J, dans K. Est-ce que vous voyez un nombre ici qui est à la fois dans J et dans K Eh bien non, moi j'en vois pas, puisqu'il n'y a aucun nombre qui est à la fois dans J et dans K. Donc ici, on dit que l'intersection, eh bien c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de nombre qui appartient à la fois à J et à K. Allez, vous êtes maintenant des champions, on continue à avoir ce rythme-là. D'accord K union L. K union L, hop, un petit axe rapidement. K c'est quoi C'est 2, 13. L c'est moins l'infini 7. Donc je vais avoir besoin d'un 2, d'un 13 et d'un 7. Rapidement, Hop, 0, 1, 2, 3, 4, j'ai besoin d'un 2, d'un 13 et d'un 7. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, hop, 12, 13, rapidement au brouillon, tac, voilà, je suis prêt. Alors maintenant K union L, K c'est 2, 13, K, je vais le mettre en vert, K c'est 2, 13, donc je suis entre 2, boum, 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 et 13, je suis entre 2 et 13, d'accord Est-ce que 2 est dans l'intervalle Non. Il tourne le dos à ses copains, donc ici, c'est un intervalle qui est euh, ouvert, d'accord Et puis ici, 13, c'est un, un, un crochet fermé, puisque 13 est dans l'intervalle K, d'accord Et puis maintenant, je vais, euh, vais m'intéresser à l'intervalle L. L'intervalle L, l, l c'est moins l'infini 7. Donc L, je vais le mettre en rouge, je vais de moins l'infini jusqu'à 7. Donc je pars de moins l'infini, boum 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 boum, jusqu'à 7, jusqu'à 7, je m'arrête en 7. Est-ce que 7 fait partie de l'intervalle L, l Oui, puisque... X est inférieur ou égal à 7. 7 ici, c'est un crochet fermé. 7 est avec ses copains, donc je le mets comme ceci. Allez, maintenant on me demande K union L K union K union L K union L Eh bien, vous savez que l'union, c'est un OU, d'accord Union, ça veut dire soit dans le premier. Intervalle, soit dans le deuxième intervalle, soit dans les deux intervalles. Autrement dit, c'est là où il y a de la couleur. Peu importe la couleur, rouge, vert, mais là où il y a de la couleur, on prend. Donc là, si je regarde, eh bien là, il y a de la couleur rouge, là, il y a de la couleur rouge et verte, là, il y a de la couleur verte. Donc finalement, je vais aller de moins l'infini jusqu'à 13, tout simplement. Donc ici, je vais de moins l'infini jusqu'à 13. Est-ce que 13, je le garde ou pas Eh bien oui, 13, je le garde puisque là, je suis dans une union, et donc mon X, il doit appartenir soit à l'un, au premier intervalle, soit au deuxième intervalle, soit aux deux intervalles. Donc ici, le 13, il appartient à l'intervalle K. Donc ici, le 13, je le garde puisque je suis dans une union. Allez, on attaque ici i inter l, toujours la même manière. Je fais un axe. Alors i, c'est moins 3, 7. L, c'est moins l'infini 7. Donc je vais avoir besoin d'un moins 3 et d'un 7. Allez, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets mon 7. Et je prends deux couleurs. Je suis ici en i inter l. Alors i, c'est moins 3, 7 fermé. Donc, moins 3, 7 fermé. Hop, je ferme en moins 3. Je ferme en 7. J'achure ici en vert. Bam, 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 bim, bam, boum. Et puis ici, j'ai quoi Ça, c'est quoi C'est l'intervalle i. Donc, celui-là, je le mets. Hop, voilà, i. Et puis, je vais avoir besoin de l'intervalle l. Et l, c'est quoi C'est moins l'infini jusqu'à 7. Je vais de moins l'infini jusqu'à 7. D'accord Donc, j'achure dans l'autre sens, dans une autre couleur. Bam, 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 bam. Est-ce que le 7, je le prends ou pas oui, le 7 est dans l'intervalle L, donc ici je ferme, ici je ferme, donc ça c'est l'intervalle L. Et ici on me demande de trouver I inter L. I inter L, je vous rappelle que ça c'est une intersection. L'intersection c'est un E, c'est-à-dire que je cherche les nombres qui sont à la fois dans l'intervalle I et à la fois dans l'intervalle L, dans les deux intervalles. Donc c'est là où il y a les deux couleurs, vert et rouge. Je regarde ici, et eh bien là il n'y a que du rouge. Hop, là on a du vert et du rouge, d'accord Donc je vois bien que je vais aller de moins 3 à 7. Donc je mets, je mets d'abord moins 3 à 7 et après je me pose la question pour moins 3 et pour 7. Est-ce que moins 3, est-ce qu'il est dans les deux intervalles Eh bien moins 3, il est clairement dans l'intervalle rouge. D'accord Est-ce qu'il est dans l'intervalle vert Ben oui, puisqu'il est avec ses copains en vert, puisque c'est un crochet euh, fermé ici. D'accord Moins 3 ici est un crochet fermé. Donc moins 3, clairement, il est dans les deux intervalles, donc je le garde. Allez, le 7, est-ce qu'il est dans les deux intervalles Eh bien ici, est-ce que le 7, il est avec ses copains en vert Oui, puisque c'est un crochet fermé. Est-ce que le 7 est avec ses copains en rouge Oui, c'est un crochet fermé. Le 7 appartient à I. Et à L, donc du coup le 7, je peux le prendre dans l'intersection. Et voici l'intersection I inter L. Allez, bientôt le 20 sur 20, il ne reste plus qu'une seule question. Regardez ici, K-Union M. K-Union M, boum, je mets un axe. Je regarde le K, le K il est ici, le M il est ici. Alors K. J'ai besoin d'un 2 et d'un 13. Et ici, j'ai besoin d'un 1. Donc, hop, je me mets ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le 13 est ici. Je prends une couleur pour euh, l'intervalle K. Donc, ici, je vais le mettre en rouge, l'intervalle K. Je suis entre 2 et 13. Je suis entre 2 et 13. Je suis entre 2 et 13. Donc, boum, 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 boum. Je vais de 2 jusqu'à 13. Je me pose la question pour le 2 et pour le 13. Le 2, il n'est pas avec ses copains. Crochet ouvert, 13 il est avec ses copains, donc voici l'intervalle K. Très bien. Alors maintenant, il me faut l'intervalle M. L'intervalle M ici, je vais le mettre en vert. Je suis entre 1 et plus l'infini. Je suis entre 1, hop, 1 et plus l'infini. Donc boum, 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 je vais jusqu'à plus l'infini. Donc je continue ici, pas de problème. Et le 1 ici, il n'est pas avec ses copains puisque c'est un intervalle ouvert ici. 1 n'est pas avec ses copains. X est strictement supérieur à 1, on l'avait déjà expliqué. Alors ici, qu'est-ce qu'on me demande On me demande l'union. Boom, l'union. Alors, K, union M, ça c'est union. Union, ça veut dire quoi, les amis Union, ça veut dire où Où ça veut dire quoi Ça veut dire je cherche les X qui sont soit dans le premier intervalle, soit dans le deuxième intervalle, soit dans les deux intervalles. Donc, ça veut dire là où il y a de la couleur. S'il y a de la couleur rouge, je prends. S'il y a de la couleur vert, je prends. S'il y a les deux, je prends. Donc là, je regarde. Et eh bien là, hop, ça commence en 1. Hop, là, il y a de la couleur, là, il y a de la couleur, et puis là, hop, hop, je vais jusqu'à plus l'infini, donc je vais de 1, hop, je vais de 1, d'accord, jusqu'à plus l'infini. Donc je sais que plus l'infini, c'est toujours ouvert, et là, je vais me poser la question pour 1. Je me pose toujours la question pour les bornes. 1, est-ce qu'il est dans le premier intervalle, ou est-ce qu'il est dans le deuxième, ou est-ce qu'il est dans les deux Eh bien, le 1, clairement, il n'est pas dans l'intervalle vert. Il n'est pas dans l'intervalle vert. Vous voyez bien que le 1 n'est pas dans l'intervalle vert puisque 1 ici, c'est un crochet ouvert. Donc 1 n'est pas dans l'intervalle vert. D'accord L'intervalle vert, c'est, je vous rappelle que c'est l'intervalle m. Donc le 1 n'est pas dans l'intervalle vert. Est-ce que le 1 est dans l'intervalle rouge Eh bien non, le 1 n'est pas dans l'intervalle rouge. Donc le 1, finalement, il est ni dans le premier intervalle, ni dans le deuxième intervalle, ni dans les deux. Donc du coup, j'ai aucune raison de le prendre pour l'union. Donc ici, ça va être un crochet. Ouvert. Donc voici euh, l'union K-union M et j'espère que maintenant vous êtes les champions des intervalles, des intersections d'intervalles et aussi des unions d'intervalles. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kiff-les-maths.com, Je t'ai mis ici le lien. À ta droite sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kiflemat.com